Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship Trooper Terran Command sur le DLC Rising Hell. Toujours, on fait la dernière partie de la 7ème mission qui est, si je ne m'abuse, la dernière partie de la campagne. On est censé s'occuper des mercenaires, on va espérer que la méchante directrice va recevoir ce qu'elle mérite. Mais pour le moment, on suit les ordres, hein, n'est-ce pas? On va faire avec ce qu'on a. Donc du coup, ce qu'on a, c'est un ingénieur. Et on peut recruter un autre ingénieur, on avait dit. On va mettre cela en niveau 2. Nos deux ingés en 1. Et progresser avec ça. C'est parti. Les deux, on va leur demander de tirer sur les arachnides en premier, tant qu'à faire. Ce sera pas plus mal. Alors ici, vous chargez peut-être un petit peu trop là. Faudrait voir à reculer un peu. Là il y a des tigres, on va leur cramer la tronche si on peut. Parfait. Il y a une ruche là a priori à 1. Ok, nos premiers arachnides, vous tirez là-dessus. On a eu des renforts. On va peut-être se redéployer un peu parce que là on est super mal placé par contre. Merde, ils arrivent en masse, c'est con. Il nous faut du renfort, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un officier de liaison, ce sera parfait. Pour l'instant on va les tenir là en attendant que le renfort arrive. On va le mettre sur le 2 également. Avec ordre de visée les arachides, demi-tour là. Demi-tour vous aussi. Je vais pas tirer sur ça, ok. On va essayer de prendre la hauteur. Regrenade là-bas. Vous avancez un peu. Vas-y, balancez ta grosse grenade là. Ok, ça fait le taf. Ça c'est vide, ça c'est vide. Il y a un autre truc par là-bas, très bien. Reculez, on avance. Attention là. Merde, grenade. Ici, là, toi. Grenade par là-bas. Ici peut-être un petit bombardement des familles. Nos ingés prennent un peu cher là. On a tué les arachides, c'est parfait. Par contre là techniquement il faudrait qu'on se replie un peu là. On va voir si on peut tenir. Recule, recule. Ah l'enfoiré qui nous attaque en hauteur là. Vas-y, balance une petite grenade enflammée là parce que du coup avec les tigres qui nous attaquent, on n'est pas capable de faire venir du renfort. On a perdu quoi? On a perdu l'opérateur radio. Non, c'était pas un opérateur radio. C'est pas grave, un opérateur radio sera bien pratique là pour nous aider. Est-ce qu'elle est vide? Elle est vide. Allez-y tous. Avant qu'il y en ait d'autres qui pop. Nous, on va venir ici tenir plus ou moins comme on peut. Parce qu'on va crever là. You're responsible for the deaths of good soldiers. You could have surrendered and been given a fair trial. But now, there's MI blood on your hands. Ha! I don't know what's funnier. That you think Patel ever wanted us taken alive. Or that the Federation would ever give anyone a fair trial. Troopers standing by. Orders? Yes, sir. Bon, les mercenaires n'ont pas tout à fait tort hein, en nous traitant d'imbéciles. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Alors on a gagné des soutiens de guerre, mais à quoi ça peut me servir? Pour l'instant, j'ai pas du tout ce qu'il faut et je peux rien construire. Hein. Non, donc pour l'instant on va faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose.
On va aller nettoyer un peu par là pour voir. Il y a juste la galerie. S'assurer qu'on n'ait pas de trucs dans le dos. Ok, on n'a rien dans le dos. Parfait. Bon. On a dû réinvoquer des petits piou-piou malheureusement, mais bon, c'est comme ça. On va prendre la hauteur en se décalant un peu. Ensuite, on va prendre la hauteur avec eux ici. Ok, il y a du monde là. Ici, ça a l'air d'être coincé. Là, il y a un truc à prendre. Parfait. Capturer des stations de radio, nettoyer les ruches de parasites. Vous, je vous ai pas changé. Faut tirer sur les arachides en premier. Ça y est, ils entrent là. Ok, il y a du peuple là. C'est trop loin. On va lancer comme ça plutôt. Avancez pas trop, vous. Toi tu montes, toi tu grimpes, toi tu viens là. Prenez-moi cette station de radio. On va avoir une baie mécanique, ce qui est parfait. On va progresser jusque là avec vous. Oula. Ok, c'est une ciné. I'm following orders and doing my duty. Something you know nothing about. Killing me because some corporate suit says so. That Fed duty now? That's enough, Fraser. Surrender and turn yourself in to federal justice, or deal with the consequences. Il joue pas très bien son jeu, Fraser. Hein. Il pourrait dire que il y a quand même quelques petits doutes, on va dire. Ah, on peut avoir un maraudeur à lance-flammes. Ça, ça me plaît. Ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On va le mettre en 1 avec notre copain. Alors il a quoi? Pour l'instant il a que dalle lui. Et on a comme mission de faire des élites. Voilà, vachement de monde. Il est capable de tirer au lance-flamme par-dessus, ce qui est quand même cool. Par contre on n'a pas la place de tirer avec les autres, ce qui est moins cool. On essaye au moins de les placer un petit peu mieux. Ah bah voilà, pendant ce temps-là ils vont gérer eux. Reculez-vous. Oh putain. En arrière. Reculez tous vous. Ah l'enfoiré. Il va pas tenir tout seul lui. C'est un jeu de combat là. Il est devant. Ok. Toi t'es tout seul donc t'es pas blessé. Juste un petit peu dans le mal. Bon, il y a une ruche là clairement hein, qui nous envoie toute sa saloperie dans la tronche là. On va pouvoir avancer un petit peu je pense dès qu'on aura géré cette vague. Toi t'as besoin de te soigner, vas-y. On voit du renfort. Parfait. On va descendre avec eux, backer par eux. Ah bah on les a vus les immolateurs, ouais, y a pas de soucis. Reculez-vous. Un peu con visiblement. Alors là il y a une galerie, ici c'est tout neuf. Alors la ruche, est-ce qu'on sait où est son truc? Il n'y en a qu'une là, ok très bien. Donc on peut se permettre de descendre, il y a un immolateur là, attention. Alors attendez, faites le tour, vous pouvez la tirer ou pas, là où vous êtes? Essayez pas la tirer, on va reculer nos lance-flammes. Encaisser. Ah ouais, il prend carrément moins de dégâts que les mecs
les petits cons de base quoi. Ok, on prend des dégâts pour que dalle par contre, c'est très con. Ok, on avance. Stop, arrêtez-vous là vous. C'est pareil, arrêtez-vous là. Ah putain, c'est un émulateur ça. En arrière, il va charger. Chopez-le. Putain. On se réorganise. Balance la purée, toi. En arrière. Il y a un autre émulateur derrière, mais heureusement, il tape sur. Sur Concon là. On a perdu notre mec. On a perdu notre officier de liaison, fait chier. On fragilise les officiers de liaison, c'est ça qui est problématique. Ah mais elle a pas du tout que ça, il y a un autre truc là-bas en plus. Ok, il va falloir qu'on soit un peu plus efficace que ça là. Répare-toi. Notre officier de liaison, il est tout là-bas. Viens par ici parce que là ça va sortir bientôt. On va se placer là, là. Toi tu te mets ici pour accueillir un peu les cons, toi tu te mets là. Il faudrait qu'on aille attirer un petit peu par là-bas. Voilà, pour aggro le bousin. Toi t'as gagné unité d'élite, on va prendre suppression au fusil à pompe. Là c'est pareil, on envoie ça. Ok, donc maraudeur est élite. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bombarde une zone cible avec des mortiers, lance une charge explosive, ou une explosion incendiaire sur tout ce qui entoure le maraudeur. On va faire le barrage de mortiers. Oui, c'est, faut que ce soit loin par contre. Ok. Pas tirer sur eux toi. Non, tu peux pas tirer sur eux. Par contre là normalement elle devrait pas tarder à être vide. Ah non putain, il y en a encore un autre là-bas sérieusement. Il va falloir qu'on avance les gars. On va gérer cet immolateur. On va laisser d'ailleurs le maraudeur s'en occuper. Faut tuer ça s'il vous plaît. Merci. Maintenant on prend pied là pendant que la ruche est un peu endommagée. Oh, putain, grenade. Mortier. Regrenade. Grenade. Éliminez-moi ça. Toi, faut que tu charges. Là, on va prendre les grenades anti-aériennes. Go, prenez-moi cette ruche. Toi, tu prends la hauteur. Ok, parfait. On a gagné du war support, mais pas de provisions, donc on n'a pas ce qu'il faut pour invoquer plus pour le moment. Mais ça passe. Ça passe, ça passe quand même. Le maraudeur qui est quand même très efficace. Hein. Merde, t'es pas en deux toi? Hop là, y'a là mon gars. Alors là, il y a l'air d'avoir du monde. La galerie ici. Progresser par là, attaquer par eux. Les mercenaires sont pas loin, on va aller jusqu'à eux. Il nous resterait une station de radio à capturer, genre c'est celle qui est tout là-bas là. Je sais pas si... De toute façon non, on peut pas partir par là, on est obligé de descendre. Donc allons-y. Ça c'est un geyser de lave, attention. On est obligé de passer par là de toute façon. Donc on va traverser avec eux. On s'arrête le temps que ça pète. Et en avant. Faufilez-vous.
Voilà, restez pas là. Et on est parti, on prend la hauteur, on voit ce que ça donne. Les mercenaires, qu'est-ce qu'ils font? We're at the LZ, but no sign of Fraser. Worse people. Ils nous ont pas attendu. Quelle surprise. That bomb station's active. It's a trap. Bugs incoming from the north. Hold on, Captain. We'll try to shut down the bombs from here, but it'll take some time. Engineers here. Ok, défendez la base. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas ici. Toi tu vas par là. Toi tu vas derrière ici. Toi tu vas là, ici. On prend, capture ce truc là, on va voir ce que ça nous donne. On peut avoir un officier en scaphandre, c'est parti. On n'a pas ce qu'il faut. Alert, bug attack inbound. Ok, tac tac. On n'a pas de quoi faire de petites mitrailleuses, on peut invoquer un autre truc par contre, une autre unité MK, ça c'est parfait. Donc en 1 on va voir ça, 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 ça et ça. Non et pas ça. Et ça, c'est parfait. Toi t'attaques ça, toi t'attaques ça, toi tu viens là, t'attaques les arachnides en premier. C'est parti pour une petite rafale de grenades. Mettre une petite entrée là. Oh, il y a des enfoirés qui arrivent par derrière. Sale bête. Heureusement on a eux qui sont sur le côté là. Ah putain, il y a des émulateurs qui arrivent des deux côtés. En arrière. Vous reculez. Cramez-moi ça. On peut faire une mitrailleuse. On va faire une. I'm still hearing that pump, director. Which means the bugs can too. Our engineers are working on it, but the contractors have made a mess of our systems. Finissez-moi ça. Look alive, troopers! More bugs! Ok, on a une petite tourelle. On va rester dans le coin. Construction complete. Our war support has increased, sir. Ah, on a du war support. On peut avoir. On a perdu notre unité MK2. Zut. Il me semblait que j'en avais pris une deuxième, elle a dû crever. On peut faire une deuxième mitrailleuse, on va la poser là. Toi tu tires ça en premier, toi tu vas rester dans le coin en attendant. Ah putain, les frelons. Les deux là, vous visez les frelons bombardiers en premier. Vous aussi les tourelles. Là il est réparé, parfait, on va rester dans le coin, parce que ça arrive par là également. Toi tu vas te poser là. Là on a un enfoiré, deux enfoirés d'immolateur, on va mettre devant. Attends pour les encaisser. Ok, du renfort. Les tourelles chauffent. On fout le feu là. Give me some good news on that pump, director. Sir, we're almost through. Hang in there for just a little longer. Once the pumps are offline. Parfait. J'ai pas regardé le lien à l'officier en scaphandre. Ces unités portent le même exosquelette perfectionné que les unités en scaphandre d'élite. Celui-ci offre une excellente mobilité et protection afin de mener des missions d'assaut. De pouvoir plus facilement appeler des renforts. Et après, il a les améliorations classiques. On a droit à un petit peu de... Ok, on a droit à un petit peu plus de patates. On va donc poser une mitrailleuse supplémentaire ici. L'officier de liaison, on va le rapprocher un peu parce qu'il a moyen de faire un peu plus de patates dans le genre dans cette ligne là. Pour l'instant on n'a pas eu besoin des compétences avancées, donc ça va. Alert, bug attack inbound. C'est marrant parce qu'il y en a qui arrivent derrière quand même.
Alors, c'est parti pour résister à cet assaut. Les bombardiers, ça va, on gère. Il y a un immolateur qui arrive par là. Là, quelques volants. C'est pas hyper utile, je pense, mais ça fera le taf. Placez-vous un peu plus devant, vous. Là, il y a encore du volant. On va balancer une petite grenade incendiaire pour les accueillir, tous ces cons. Un immolateur il passe par là, nickel. Un autre il passe par là, nickel. Non, merde, putain, lui il est passé par ici. Ah la vache, il y en a trop. On va crever là. Il faut qu'on essaye de faire en sorte que ce soit la tourelle qui prenne. Oh, ok, parfait. Putain, il y en a encore deux. Demi-tour, toi. Il est coincé. Coincé par eux. Bouge. Demi-tour, vous. Renfort. Comment ça des remaining bugs? Venez par là vous deux. Tracking Fraser and his gang of criminals retreating into the mountains. They cannot be allowed to escape off Gehenna, Captain. Don't worry, they won't. Atteignez Fraser avant la tempête de cendres. Ok. On va détruire ça, on va détruire ça, on va détruire, il y en avait une troisième, non elle est déjà détruite, parfait. Est-ce qu'on peut invoquer un autre truc d'élite? Non, il faudrait qu'on libère un peu de ressources, on va renvoyer eux. Ça va pas être assez je crois. Attends, on a un nombre impair de ressources là, c'est abusé. Ouais, on n'a pas assez, on est d'accord. On peut faire venir des incinérateurs en scaphandre. On va faire venir des incinérateurs en scaphandre, ils sont un peu plus costauds. Pareil, vous cassez-vous. Alors, les incinérateurs en scaphandre. Ces unités d'élite sont équipées de lance-flammes perfectionnées, extrêmement efficaces en combat rapproché. Ainsi que de scaphandres leur offrant une excellente mobilité et protection. Nickel. Donc c'est comme les ingés. Mais ils vont être plus efficaces. Allez, on en fait venir d'autres. Non, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, merde. Du coup, on va plutôt prendre des tireurs. Lui et lui, ça sera notre niveau 2. Ah, mais on peut pas réparer avec eux. Merde, on peut pas réparer avec eux. Bon, repartez-vous. En attendant, on va commencer à avancer. On va récupérer les ingés. Ça et ça, ça porte notre deuxième niveau. Vous visez les bombarder en premier. On va faire venir un ingé supplémentaire pour pouvoir réparer notre truc là. Par où on peut aller? Ah putain, c'est par là. 1, 2, hop. Courez les gars. Ah putain, il y a des mercenaires planqués là. Vylon has thousands of Federation eyes on it. Mm-hmm. There's no way the director would get away with moving bugs through it to illegal markets. Ain't you been paying attention? It's not rogue buyers paying top dollar for those tame bugs, it's your own feds. I don't know why they want them, but I've got some ideas. You're suggesting the Federation would knowingly operate from the shadows, lie to its people, to citizens? This can't be right. Mm-hmm. Allez, on détruit les mines au passage. On se rouille parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Pas rester trop derrière. Waouh, ils se font défoncer les coups. Toi. Putain, ils sont en train de défoncer mon mecha là. Sérieux ou quoi? Oh, sans déconner.
Allez, il nous reste une minute là, faut avancer. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre là? Je sais pas. Vous venez. Alors, il nous reste un ingénieur pour prendre l'assaut là. Recule. Et une entre par là, là, que ça envoie de la saloperie comme ça. Allez, on court. Il reste peu de temps. A unit has been promoted, sir. Putain, sérieux. On my way, sir. Come on, you apes. Come on. Squad, moving out. Détruisez-les. Détruisez-moi tout ça. Waouh, à 3 secondes près quoi. Wrong! The Federation looks after its citizens, and Hephaestar and the other corporations are our loyal partners in this war. You're nothing but a money-hungry criminal and liar. And I've heard enough of your lies. It's done. No survivors. You were right about Fraser. He wouldn't give up. Regrettable, but necessary. You've done well, Captain. We need soldiers like you, and on my recommendation, the Sky Marshal has promoted you to permanent garrison commander here. To victory, Captain, and through you and I, a successful partnership between the Federation and Hephaestar in this war on the bugs. Ça met bien en lumière le lore du monde, hein, mine de rien. Alors, ah, c'est les incinérateurs en scaphandre qu'il fallait. Je me souviens qu'il fallait. Je croyais que c'était l'officier en scaphandre qu'il fallait, mais non. On n'a pas réussi ça, c'est pas grave. On a réussi le maraudeur élite avant qu'il ne se fasse buter. Bugs, vicious, feral beasts. But, like any other beast, they can be captured and studied. A promising research program under Colonel Carl Jenkins is probing new ways to understand bug behavior, so that one day they can be subdued, perhaps even controlled. Are you looking to invest in a better tomorrow? Consider Hephaestar Corporation, the industrial giant that keeps the galactic economy flourishing. Our fleet of star transporters and refueling hubs form an essential backbone of commercial space travel and transportation. Hephaestar, forging forward throughout the galaxy. Hephaestar Corporation shares are officially warranted by the United Citizen Federation government. C'est tellement bien fait, j'aime beaucoup. Et bah du coup c'est la fin de cette nouvelle campagne pour le DLC, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'avoue que je me suis vraiment beaucoup amusé, c'est vraiment très très drôle à jouer, vraiment efficace, même en n'étant pas un gros joueur ultra avancé de RTS qui fait du 50 clics à la seconde. C'est carrément jouable et ça fait bien plaisir, on sent bien la pression. Je vais vous laisser là du coup sur ces petits crédits de fin. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire si vous en voulez plus, si vous avez aimé le jeu ou pas. N'oubliez pas que si vous voulez vous le procurer, on a des petits liens partenaires en description qui vous permettent d'avoir des petites réductions et en plus d'aider la chaîne, ce qui ne mange pas de pain. On vous remercie si vous passez par là et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.